Madame, Monsieur, assalamu alaikum. Bienvenue au journal du 18 Zulhijja 1442 de l'Égypte, correspondant au mercredi 28 juillet 2021. Découvrons les principaux titres. Depuis quelques semaines, les élèves sont en vacances, occasion mise à profit par certains d'entre eux pour renforcer leurs connaissances sur l'islam. À suivre le reportage de Cheikh Tebakayoko et Yacoub Koulibaly dans une communauté. Une résidence de 3 appartements mise à la disposition des imams de la mosquée Hagia Mariam Doumbia à Sizakokodi en Gré, un don des fidèles de ce lieu de culte à la remise officielle des clés s'est tenue ce matin. Et puis au sommaire également, l'Afrique du Sud dit non à la décision unilatérale d'accueillir Israël comme pays observateur de l'Union africaine. Bonne nouvelle pour les imams de la mosquée Hagia Mariam Doumbia d'Angré Château, c'est dans la commune de Kokodi. Ils viennent de recevoir les clés d'une résidence offerte par la fidèle de la communauté. Visite est guidée en compagnie de Bamba Ibrahim Diaby Souleymane, au commentaire Abdoulaziz Diallo. C'est un bâtiment de 3 appartements construit sur 2 niveaux, avoisinant la mosquée Hagia Mariam Doumbia. Cette bâtisse sert de logement aux 3 imams en fonction. Le secrétaire général du comité de gestion de la dite mosquée, El Hadja Moussa Sidibé, donne les raisons qui ont poussé les fidèles à prendre cette initiative. Nos imams habitaient vraiment un peu loin de la mosquée. Ça fait qu'ils avaient des problèmes de déplacement et ça fait que des fois, ils n'arrivaient pas à l'heure aux offices de prières. Donc, nous avons jugé bon de leur offrir vraiment une maison à côté de la mosquée pour qu'ils vraiment puissent se consacrer entièrement à leur engagement. Au nom des imams bénéficiaires, Aboubakar Oye a remercié les donateurs pour cette œuvre de portée spirituelle. Nous remercions toute la communauté qui ont vraiment participé à l'évolution de la résidence des imams. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de mettre beaucoup de barakat et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner la longévité, la force. Le terrain de 200 mètres carrés sur lequel est construit le logement des imams a été offert par un fidèle qui a requis l'anonymat. Voilà, c'était plutôt un commentaire de Yacoub Koné. On profite tous des vacances scolaires, mais pas de la même façon. Des cours de renforcement de connaissances islamiques sont dispensés dans de nombreuses mosquées de la ville pour aider les enfants à la maîtrise de la religion. Et c'est le cas de la mosquée Mahmoud Samassi de la Riviera Siad. Dans quelle ambiance ces cours de formation se déroulent-ils? Réponse dans ce sujet signé Cheikh Bakayoko, Diaby Souleymane et Yacoub Koulibaly, un récit de Abdoulaziz Diallo. Après 9 mois d'intense concentration sur les bancs, ces jeunes étudiants profitent de ce moment de répit pour renforcer leur connaissance de l'islam. Les imams ne rechignent pas à cette exigence communautaire et se mettent à la tâche pour réussir cette initiative. Comme on dit, la vie est une école. Voilà, le jour et la nuit sont des professeurs. Donc, ce sont des enfants qui vont à l'école normale. Donc, les réunir, les occuper sainement pendant ces congés-là pour qu'ils apprennent leur religion, savoir certaines vertus de l'islam, raison pour laquelle nous les avons rassemblés pour les aider. Parce que l'éducation, c'est vrai, on va à l'école, mais il faut connaître sa religion, il faut connaître d'où on vient et là où on doit partir. La formation à la prière, découverte de la vie du messager de l'islam et l'apprentissage du noble Coran sont autant d'exercices auxquels sont soumis ces jeunes apprenants. Ces derniers n'ont aucun doute sur l'apport de ces séances de formation. La formation ici m'apprend plus sur la religion, sur l'islam. Ça me permet d'être une meilleure musulmane et de pouvoir mémoriser le Coran et d'apprendre ma religion. Notons que ces cours s'articulent autour de 3 niveaux, dont le premier est l'initiation, le deuxième équivaut à la connaissance des 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi et la lecture du noble Coran constituent le 3e niveau d'apprentissage.
Un tour à l'intérieur du pays, l'association Jeunesse Unie pour la vision de Maître Adama Camara a organisé en fin de semaine dernière une journée socio-culturelle à Odiné, c'est dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Une journée sanctionnée par une visite aux malades du CHR et aux détenus de la maison d'arrêt d'Odiné qui ont reçu des dons en vivres et non vivres. Le reportage de Diomandi Boaké et Cissé Daouda. Cette visite a été l'occasion pour l'association La Jeunesse Unie pour la vision de Maître Adama Camara, juive MAC, d'apporter une assistance sociale et un réconfort moral aux personnes hospitalisées au CHR d'Odiené. Nos frères et sœurs hospitalisés n'ont pas pu fêter la Tabaski avec nous. Nous sommes venus ce matin les assister dans leurs épreuves afin qu'ils sachent que nous pensons à eux. D'ici, nous irons à la maison d'arrêt faire de même afin qu'eux aussi comprennent que de dehors, des personnes songent aux épreuves qu'ils traversent. Quant à l'établissement pénitentiaire de la ville, il a aussi bénéficié de la visite généreuse de l'association Juive MAC. Merci pour ces différents dons. Merci pour la délégation ici présente. Et que Dieu vous bénisse. Les dons faits dans ces deux établissements étaient composés essentiellement de riz, de pâtes alimentaires, de la boisson et du yaourt pour les enfants. Autre point de l'actualité, les usagers d'automobiles n'auront plus à se déplacer pour se faire établir ou renouveler leur contrat d'assurance, ce grâce à un projet de digitalisation et de gestion des attestations auto lancé par le Trésor et la comptabilité publique du Côte d'Ivoire ainsi que ses partenaires, suivant les précisions de Soumeya Sanogo. Il s'agit concrètement de mettre en œuvre un serveur sécurisé de génération de numéros d'attestation électronique cryptée avec un chiffrement de toutes les transactions. Les composantes de cette plateforme répondant aux attentes de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire devraient offrir des éléments traduisant la mise en œuvre des services mutualisés, d'interopérabilité et d'infrastructures. Ainsi, à partir de la plaque d'immatriculation, l'usager sera à mesure de vérifier avec son smartphone si le véhicule qu'il emprunte est assuré ou pas. Une initiative fortement saluée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. En cas d'accident, d'incendie ou autre sinistre, la population bénéficie de l'assistance des sapeurs-pompiers militaires. Malheureusement, ces derniers reçoivent le plus souvent des fausses alertes. Selon un récent communiqué du GSPM, sur 2000 appels reçus par eux, 95% sont fantaisistes. Immersion au centre d'appel de coordination des opérations de transmission en compagnie de Abdelaziz Diallo et Diaby Souleymane. Allô? Ta puce est bloquée. Mais ici, c'est sapeurs-pompiers. Tu peux pas aller à l'agence? Nous sommes au centre d'appel du groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Indénié. Ce type d'appel, dit fantaisiste, ses agents en reçoivent à longueur de journée. Une situation qui cause de nombreux désagréments. Les voyants sont allumés, ce sont des appels. Pendant ce temps, il y en a qui plaisantent. Le temps qu'ils prennent pour plaisanter là, il faut qu'on décroche leur appel et on raccroche pour pouvoir prendre les appels qui sont en attente. Et les gens ont l'impression que nous ne décrochons pas. Pour y remédier, le groupement des sapeurs-pompiers militaires a introduit une innovation de taille dans son fonctionnement. Objectif, être plus proche des populations et prompte dans ses interventions. On a dû donc prépositionner des engins dans la ville d'Abidjan, tels qu'au Venezuela par exemple, et dans plusieurs localités au niveau de Abobo également, au niveau du commissariat d'Abobo. Les soldats du feu ont effectué en 2020 au total 31 361 interventions contre 23 010 l'année d'avant, soit une hausse de plus de 36%. Le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires invite les populations à plus de vigilance. Le plus grand nombre d'interventions, c'est vraiment causé par le manque de modération des populations. L'indiscipline aussi, il faut le dire, c'est réel. Parfois, la méconnaissance des règles de conduite automobile. Donc, j'invite vraiment les populations à la modération, à beaucoup plus de considération pour les autres, car c'est dans le respect
que la sécurité peut s'installer. Chaque fois que la sirène retentit, c'est une course contre la montre qui s'engage pour les sapeurs-pompiers qui ont pour mission de sauver des vies. Un mot de sport dans ce journal. Les éléphants de Côte d'Ivoire obtiennent une qualification historique pour les quarts de finale des JO, Jeux Olympiques de Tokyo, après un match nul, un but partout face à l'Allemagne. Deuxième de la poule D avec 5 points. Les éléphants rencontrent ce samedi, Inch'Allah, l'Espagne, première de la poule C. À présent, je vous invite à faire un tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est dans cet élément compilé par nos confrères du bureau de la Voix de l'Amérique. Amnesty International dénonce l'ampleur des destructions dans les régions anglophones du Cameroun où un conflit séparatiste oppose depuis 4 ans des bandes armées rebelles et l'armée. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, a été définitivement condamné par la justice française à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et tous ses biens saisis confisqués. La Cour de cassation l'a reconnu coupable de s'être constitué frauduleusement un patrimoine luxueux dans une affaire de biens mal acquis. En Tunisie, la justice dit avoir ouvert une enquête contre le parti d'inspiration islamique Ennahda, son allié Karl Tounes et la formation Aïch Tounsi. Ils sont accusés d'avoir perçu des financements venus de l'étranger pour leur campagne lors des législatives de 2019, ce qui est interdit par la loi. L'Afrique du Sud dénonce la décision prise la semaine dernière par la Commission de l'Union africaine d'accorder à Israël un statut d'observateur au sein de l'organisation panafricaine. Pretoria qualifie cette décision d'injuste et injustifiée. Voilà, ainsi prend fin ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suivi des programmes sur la télévision albayenne. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.